Vous dites que nous sommes des locaux. Mais comment une chanson d'un local vous a suivi jusqu'en boîte de nuit au Cameroun? Nous, on a fait un vrai concert live sans recevoir de pierres ou des gifles de la part du public. On est en vérité. Robert Lévy, Provençal. Il est temps de présenter qui le padre en disant il fallait faire venir la meilleure voix du monde en Côte d'Ivoire. J'ai posé la question pour savoir qui a la belle voix du monde. Et on m'a répondu que c'est Ferrigo là, raison pour laquelle nous avions trouvé le deux sponsors, Ultracom et Denichère Propre, sous l'organisation des MTN Côte d'Ivoire, pour réaliser ses rêves. Donc, les gens qui concernent Moko et à rêve, ils voient ramener la meilleure, la plus belle voix du monde dans la Côte d'Ivoire. Concert Wana et les cas qui cafou dans Sofitel, image, image à l'appui pour Batouba Mona. Concert Nabiso et Telamagi le roi, match à Léopard. Et t'es dans l'ébiso, ta dragon, vita imana, nini tout, n'a pas prophète, ba kota ki makambango, ba tiki ba église. Donc, on est au lac, ça gagne grandeur, il y a événement. Bonne Akin, bonne Europe, bonne Afrique, bonne Asie, bonne Océanie, bonne Amérique, partout, monsieur dans le monde, bisounet Solanda, Babi Matador, officiel TV. Eh, ba yba sabona, ba gag, ba film, n'y a pas de télé qui tire, il y a RDC. Solanda, Matador officiel TV. Tu vas s'abonner massivement à Matador TV, yaya. L'enfer qu'on a eu dans cette ligne. Yango na singi na yamere, na singi na yamere. S'abonner na massivement, wapi na Matador officiel TV. Malongo la kakale fa moi na minote a kozo kaya. Iso solo babi amaga gila bien. Ya iye moko. Dynamo Kabemba. Ma copine, ma copine Nada, y a tout s'abonné. Matador officiel TV. Ah, mon papa Sika. Matador officiel TV. Ah, c'est pas pareil. Ayuna. Na soubie, y a s'abonné. Kakababi, Matador officiel TV. Nada. Merci pour cet élément là, vous venez de suivre nos amis de poésie. Merci de nous suivre, très bon dimanche à toi Tony Iloka Bongo Guardiola qui nous suit, merci beaucoup. Merci également à maman Nanou Lupumba qui nous suit également aux côtés de papa. Très bon dimanche à vous, merci beaucoup de nous suivre. Merci et bon séjour à Kinshasa, Dieudonné Mongali Kabuya. Merci beaucoup à toi Mongali, merci en tout cas d'être ensemble avec nous. Guy Kabouya, j'ai également pensé à toi, merci beaucoup à toi. Merci à maître Chris Cicéron Bakumba Boufaya à qui nous suit, en tout cas très bon dimanche sur ce plateau. Je reçois nos amis de la Jet 7 de Ferrigola, Jésus des Niance, Kim Jong Premier Miko Nawe Yangoyo Papa, bonjour et bon dimanche. Et puis bah bon dimanche ça va tout bas branché bas tout à la Kim Jong Premier en provenance d'Abidjan Côte d'Ivoire. Place tout tu go ben la victoire écrasante. Na deux concerts yami néné yobi karato betagi 4 ans on y a tarali sous sol ivoirien. Donc en gros mon temps tout kitagi sengagi venime zalara ndenge batu ba monagi ezala. Message ali boso na soya nango ezawe outi pa ya confrère na yo Robert Lévy Provençal. Il est temps de présenter qui le padre en disant il fallait faire venir la meilleure voix du monde en Côte d'Ivoire. J'ai posé la question pour savoir qui a la belle voix du monde. Et on m'a répondu que c'est Ferrigo là, raison pour laquelle nous avions trouvé le deux sponsors, Ultracom et Denichère Propre, sous l'organisation des MTN Côte d'Ivoire, pour réaliser ses rêves. Donc, les gens qui concernent Moko et à rêve, ils voient pour ramener la meilleure, la plus belle voix du monde na Côte d'Ivoire. Concert Wana et les cas qui cafou na Sofitel, image, image à l'appui pour Batouba Mona événement. Concert Nabiso et Telamagi le roi, match à Léopard. Et t'es dans l'ébiso,
bata dragon vita imana nini tu na ba prophète ba kota ki makamba ngo batiki ba église donc on est ngo la sa geno grandeur il y a événement et pour na ngana baxelo mo ya muke ya suka pour na page mo ko mangoli ya na kumba marka ou en tout cas azela sou na celebration bonga loba mais makamu sou soka lobi et ça ngo vérité mais façon ngo bo ke ngo pas sacrifier ngana batu ya youtube nde ba kata ba mbeli mike mike alors le roi ngamu ko pena zanga na ntaba ko to kata na boucherie wana tena lota nga lobi marka ou entre parenthèses guitariste de faire ego là ça t'attaque à point point point. Vous dites que nous sommes de locaux, mais comment une chanson d'un local vous a suivi jusqu'en boîte de nuit au Cameroun? Macaouz. Point d'interrogation. Macaouz. Yoga malobané aux amnaïtés, à page. Et puis, au-dessus de l'obalissou, a commis, n'a pas un abisso. Nous, on a fait un vrai concert live sans recevoir de pierres ou des gifles de la part du public. On est en vérité. Bouté Gotal, on a image. Et puis, on a la route sa malobaté. On a un malobalé, l'obéna, la mémé, l'obanga, image et katara. Pour ça, la va bien. Et puis, voilà. On a repé sa mbote, on a les véritables codes, yamboka, les patrons, costa couleur. Oh, bah, du tout, bah, et bisou, Kim Jong Allegi, il faut costa couleur. Et puis, Berado, le prince des Amunda. Né chapine du plein de grâce, Christo Abouchoua depuis la Côte d'Ivoire, Maman Jean qui très forte silencieusement. Merci. Et puis on repère sa mot et les sous na shérif Kachiko, Milton Zonza, Louti Ebala, et puis beaucoup. Lisa Kalenga, Kaka El Bouti, la plus belle de la Côte d'Ivoire. Merci. Oh, y a DG Polo, donc il y a ma big salutation. Et puis ton souk, ça n'a jeté tango fort. Oh, la Naroto, jeté tango fort, Ndouyango, j'ai tango fort, la précieuse bambote, c'est qu'elle nous allait. Loubassa. Ouais. Bonjour et bon dimanche. Bonne. Bonjour Isaac Maï, je vais Gitoko. Ça va Gitoko? Alors on a aussi Abidjan. La sorte de petit concert des rêves. Mingi Rolobezate, Bameloman, Bagoulona, Bagouloise, tout. Barretédir, Kagessa, Segor, Lubasa. Moutaïmbagi. Locouta, Nabolimbezaï, tu n'es pas amoureux. Pour la conservation, l'amour, maman, ma promesse à mauvais main. Affection, c'est refroidir. Y'a que tout chauffé dans mon mensonge. N'a quoi même un apotor. Bébé, n'a quoi salé le boutique clavé maena medineze ko poyo lovenga nzoko chelinga motambo na kati prison bonono na komo lievu nilo na souci la mona si je savais sa tu na rebaki goro lubasa. Merci Igor. Ouais, on peut simboter, on peut simboter, la peut simboter. Igor a camus si micro fils qu'il est le général la paix simbote na dada ngwabana staff tout pena ba de tout bazola na biso la miki ne chapitre de plein de grâce les imbattables trésors pembele massa na chancel au Congo ba golona ba goloise. Merci Pesselanga, merci charge à l'okambe. Merci Pesselanga micro Bifalo. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche à toi aussi. Ah oui, minga olobe ayugo kenda kenda ngodo za 4 passeport nga foma c'est votre sentir abandonné babo mate nga foma na mataka ya gola moni sakanga ya gola komba mana yo aloba ya gola rumbe soir à la kishasa l'on propose de dispose faut yo ka niveau ba ivoirien ba osinga ba olila na vai na baboite na zoka ba nzembu ya ba leader na biso mboka et ça la plaisir botika ko ko service mbote langa na fils Milando. Ya Flor Milando papa na bonda bamboto na oyangwa. Merci bamboto langa sous la maître puis de Makaya Odi le tel ba ya fan club de Ferregola bamboto na ufata ki Gérald bamboto na oyangwa na pisi batunyo so balinga ngai maître puis de Makaya ya papa ya mwana papa Allegri Makaya na pisi mino bamboto tro ba otu balinga nga bamboto tro na otala wana na moni mokonzi na nga Blaise Mpolo azawana ya pichu botoko. Donc, il m'est Yagola, Kumba Manayo, chanteur qui chante. Merci, merci beaucoup. Qui t'a dit que Rumba n'allait pas de ce qui chasse ça? L'homme propose, merci. Bien dispose. Merci beaucoup. Bah, il va y avoir Mote, la bine, maman Charlotte, merci Kouadio. Beaucoup. Merci, Napesi. Bon dimanche également au DG Blaise Mpolo. Daddy Gampi nous suit également. Merci beaucoup. Très bon dimanche à toi. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Merci également de nous suivre, les barons Guimenga. Tout à l'heure, on sera avec toi parce que Adolphe Dominguez il vient de sortir un album où il a chanté les barons Guimenga. Qui nous suit, Steve et mon nom. J'ai également pensé au boss Fernando Finda, Abraham Kongodiantotila qui nous suit. Merci beaucoup. Sur ces plateaux, je reçois Yama.
Bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour, bonjour, bon dimanche. Nous sommes fanatiques. Tout au ballon, la Big Boss, le roi de la forêt, nous sommes bien affilés en pointe. Donc, bon dimanche, nous sommes tout quoi. Donc, c'est ça. Je rappelle que le plateau est aïe, mais le roi Big Boss a signé un peu tout signé pour autoriser. Parce que tu commets un gong à naïe, puis nous avons un plateau naïe, mais on dit volontiers que beaucoup de place naïe. Donc, il y a un maquila ou un gay. Il y a un maquila ou un gay. En plus, maquila y a. Parce que Zénith, c'est un petit obéta. Il y a pour 3 heures du temps. 3 heures du temps, on a tout obéta non-stop. En plus, on a signalé qu'on a des fanatiques, tout y a mes hommes et baye barake. On a des abonnés, on a un répertoire, tout y a la musique congolaise. Quoi. Donc, il y a l'orchestre, c'est tout. Spectacle, donc toujours préparer vraiment spectacle inédit pour tout un défi contre 4 zéniths et les cas de haute au sala ou toujours bombe à secret pour les à la différente et à la pena et à la pena n'est mon souci. Donc vraiment parlant à la remercier la salutation à PDG Michel Mbongo, joyeux anniversaire à PDG Michel Mbongo depuis Brazzaville et puis honorable sénateur Guy Luando, les grands baleines. Merci beaucoup. Donc, et puis papy le reformule la souka quand c'est le matin. Et Yako Bakisa, Zaka, qui est mon concert, ils ont marqué fin il y a décennies de galère, et marqué des débuts il y a décennies à Sika, décennies d'espoir. Yango Moni, le roi de la forêt, à Tindi Bisoto Lobila, vraiment, chef d'état-major à Lobby, qui répertoire, il y a RDC Mobimbezali, donc tout le monde est invité. Bien affilé déjà, Azad, déjà automatiquement invité parce que collaboration de Gisali, la télé Yeke, tout ça là, donc, la Pessimbote, na Wera America, l'ingénieur Alex Ntima, Pepe Kaziala, Stallone et Sika Bazali pour la soutien. Et ça pour na clan ya Wengetu. Donc clan Wengetu tout petit bango parce que et ça fête na bango. En plus na baptiste na biso tout au YouTube à la maison mais na monde déjà prince Azar na déjà bazongle donc porte est ouverte et c'est une porte na bango za ko funga donc tout toi ko linga aya ko Wengetu ça veut dire physique moi aya ko ça na physique ouais Azar na biso donc c'est ça quoi. En tout cas merci beaucoup à tous nos amis, encore une fois de plus à toi, Tony Iloka Bongo Guardiola, j'ai bossé mis sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je reçois un artiste, un musicien, lui nous
provient des États-Unis d'Amérique, qui s'appelle Young Paris. Young Paris est avec nous en ce dimanche. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Merci de m'avoir. On est là. Ça va? Ça va très bien. Depuis quand à Kinshasa? Ah, ça fait presque 2 semaines. Là. 2 semaines. Ouais. Ça se passe bien? Doucement, tu vois, on est là, doucement, hein, ça va. Ça fait combien de temps que tu n'es pas arrivé à Kin? Deux ans. Il y a 2 ans. Ouais. Ah, donc il arrive des fois que tu viennes. Ouais, bien sûr. Ah, ok. En tout cas, c'est une bonne chose. Pour les gens qui te verront pour la première fois, si on veut te définir Young Paris, il est qui exactement? Ouais. Il fait quel genre de musique? C'est quoi exactement? Ouais, bon, moi je suis Young Paris, je suis un artiste congolais basé à New York. Alors, au thème de musique, c'est un mélange. Tu vois, un peu hip hop, un peu l'afrobeat. C'est franchement, je suis là pour faire le premier voix de mon album. Et c'est la première fois que j'ai chanté en tout lingala français, anglais mélangé. Ça dit que vraiment, je suis juste un artiste. Je pense que l'artiste, c'est vraiment dans la musique. Il n'y a pas vraiment un territoire. C'est juste un mélange de musique, tu vois. Ouais. Un mélange de sons qui fait de toi que bon, voilà, tu peux évader, voilà. Aller à gauche, droite. Ouais. J'ai suivi à travers les réseaux sociaux. Young Paris sur un label avec Jay-Z. Ouais. Bon, en fait, on a fait 4 ans avec Rock Nation. En fait, je viens de finir mon contrat. Ça dit que dès que j'ai pris que mon contrat va être fini, j'ai dit que je vais rentrer dans quel chemin exactement. Et en même temps, il y a en fait les conversations qui m'ont envoyé, ils voulaient faire un featuring. Et ça fait 8 mois, ils ont essayé de me contacter. Et finalement, j'étais prêt pour un son. Et comme mon contrat est presque fini, je dis bon, mec, je rentre vraiment dans la musique et le côté francophone. C'est un nouveau chemin pour moi, un peu dans la musique. Donc j'ai dit, je vais faire tout un album maintenant, comme le son, ma casque, on a fait ensemble, a bien marché ici. Et bon, je suis là comme ça, indépendant maintenant. On a fait 4 ans qu'il a bien bossé là-bas, chez Jay-Z, les Rock Nation, autour des grands artistes américains. Dans les 4 ans, tu avais combien d'albums? 3 albums. Avec plusieurs featuring à la fois. Ouais, David Aya Nakamura. Ouais, il y a Steve Savage, avec Carlo Banks, Olamide. Ouais. Plusieurs des artistes américains, si vous connaissez, il y a Wiz Khalifa, il y a plusieurs artistes américains. Qu'est-ce qui a fait que pendant tout ce temps-là, où on pouvait te sentir au Congo pendant que tu faisais tous ces featuring avec ces grands artistes africains, mais tu n'étais pas trop au Congo? C'était pourquoi? Ouais, bon, comme à la base, je suis là aux États-Unis, ça dit que comme musicien, on va faire la musique qui est entre notre univers. Donc, j'étais pas ici au Congo à la base. Mais il y a des moments où on a fait des featuring, même j'ai fait le remix de Ozo Betamabe avec Inos. J'ai bossé avec Weddy Bull. Il y avait des moments où j'ai soutenu les artistes congolais, mais à ce moment, j'étais vraiment dans l'univers des Afrobeats. Alors, je voulais trouver ce chemin, à voir que, comme il y avait les sons des Nigériens, les Ghanéens qui étaient vraiment percés là, aux États-Unis, et comme ils chantent en anglais aussi, c'était plus facile pour moi, tu vois. Mais là, c'est, comme je dis, c'est la première fois que j'ai rentré dans le chemin lingala français, vraiment francophone, tu vois. Il y a une polémique qui a eu domicile il y a quelques temps passé dans les BT Awards. On disait toujours que les artistes africains anglophones ont beaucoup plus d'avantages de gagner des trophées BT Awards que nous Afriques francophones. On a vu les cas avec Fally, on a vu avec Inos B. Comment on peut renverser cette vapeur-là? C'est possible? Ouais, je pense que c'est invisibilité, hein, parce que là-bas, tu vois, les Américains et même la musique qui passe anglophone, il y a un gros marché. Donc, il met ça d'abord un peu. Je pense que la musique francophone, il prend pas trop sérieux ça à la base dans les États-Unis. C'est eux qui gèrent les Grammys, les BT Awards, tu vois. C'est un peu les Blancs qui gèrent tout là-bas. Alors pour eux, s'ils ne parlent pas la langue, ils ne prennent pas trop sérieux, tu vois. Même la musique africaine, pour eux, c'est juste la musique de world, tu vois. Un peu. Ils ne prennent pas ça trop sérieux. Ça dit qu'il y a des responsables qui disent non, mais vraiment, il y a des artistes là-bas, ils ont des plaques, il y a des sons qui touchent même des diamants. C'est vraiment un marché. Et ils essaient de faire des
connexion, je pense. Mais c'est sûr que tu as raison, tu vois. Mais je pense que là, même je suis un artiste comme ça, je veux même mélanger les deux. Comme je suis là-bas, je suis bien basé. Maintenant, je rentre dans l'univers francophone. Ok. Tu vois. Et à Kinshasa, tu es venu exactement pourquoi? Bon, moi, je suis là pour prévoir mon album. Ça s'appelle Mwanamboka. Ça sortit le 12 février. Et pour la première fois, comme j'expliquais, il y a pas mal des artistes congolais. En fait, c'est un projet qui est tout congolais avec des artistes à la base. Donc, il y a Werason, il y a Hibateur, il y a Bazan Mobutu, il y a Roga Roga. Je veux faire un projet qui a un sentiment de la musique congolaise et rentrer mon univers un peu hip-hop, afrobeats dans cette mélange. Comme à ce moment, il y a un nouveau style de la jeunesse, ça s'appelle Rumba Duel. C'est-à-dire qu'on a pris la musique de Rumba, on a mélangé avec la musique hip-hop, mais il y a tout un nouveau univers de ça la musique. Ça s'appelle Rumba Duel. Duel. Ouais, il y a un artiste, Heidi Pezzo, qui est vraiment donné un sens de la nouvelle jeunesse. Et nous, on a pris ça, on a réinventé, mais non, même le son avec Makassi, hein, j'ai fait avec Werason, c'est Rumba Duel, en fait, tu vois. Est-ce que les Américains en soi, ils nous écoutent ou bon, ils comprennent pas et puis ils disent que c'est une musique autre? Est-ce que tu as le temps de pouvoir partager avec eux notre musique à nous? Oui. Bon, je dis, dans la musique, tu vois, c'est la langue, je pense, qui change tout. Si la langue, si tu parles pas la langue, tu comprends pas bien la musique. C'est juste un sens. C'est comme les Whisky quand ils ont chanté, c'est leur langue, je pense, Yoruba, je pense. Tu sens la musique, la vérité dans le sens. Ça fait danser, mais il connaît pas bien les mots. Donc ça diminue un peu le succès de la musique. Okay. Donc la musique congolaise, comme c'est en lingala français, les gens ne connaissent pas bien, mais ils connaissent les rythmes, les vibes, comme les. On connaît bien les Kofi, les Fali, tu sais bien, parce qu'il y a les sens et des fois il y a les mélanges d'Amérique. Mais franchement, je dis bien, la musique congolaise, ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un univers là, à les États-Unis. Okay. Ouais, en termes de langue, c'est ça qui change tout. En tout cas, on va quand même faire un effort. Vous êtes parmi les ambassadeurs aujourd'hui et qui font que cette musique puisse être écoutée de ce côté-là. Voilà. Je crois que nous, on est derrière vous. On va également, en tout cas, vous soutenir pour que notre son puisse être écouté de ce côté-là. Merci, papa. Et à part la musique, tu es également dans la mode. Ouais, en fait, pour moi, la musique et la mode, c'est la même chose. C'est une bataille. C'est la même chose. Ouais, c'est une ligne des vêtements appropriés à toi. J'ai une ligne de vêtements, mais j'ai pas mal de succès dans la mode. J'étais ambassadeur pour Vogue Magazine au thème de CFDA. C'est eux qui gèrent tout la mode première à la base dans les États-Unis. Donc, je suis toujours dans la mode. Et même il y a. Dans l'époque, ils me posent des questions. Pourquoi tu as ce style comme ça depuis 12 ans, 13 ans, je t'habille bien? Mais je dis toujours, je suis congolais. Ici, on a la sable. Ici, on s'habille bien. C'est super important qu'on s'habille, tu vois. Et donc, j'ai pris ça. Je rendais avec la sable. Je rendais avec mes oncles qui étaient sapeurs. Et j'ai pris cet univers. J'ai mis ça à la base dans les États-Unis. Ça a vraiment donné. Mais les gens là-bas étaient un peu compliqués parce qu'ils disent, mais comment tu as à 13 ans, tu portes les tenues comme ça? De tête jusqu'au pied, mais je suis congolais chaque fois. Vraiment. Tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu seulement 2 points. D'habitude, tu fais 3 points dans la figure. Ouais. Bon, ça, c'est une marque. Oui, bon, ça, ça vient de ma racine. En fait, mon père était fondateur du ballet national de Congo. Okay. Donc, dans l'époque, dans les ballets, tu connais bien les ballets. Ballet national. Moi, j'ai grandi avec les ballets. Donc, je joue les tam-tam et tout. Okay.